Et bonjour de Colmar. Eh oui, à Colmar, il y a une statue de la liberté. Je viens de découvrir ça. Modèle réduit. Modèle réduit. Bonjour Thierry. Bonjour Pascal, bonjour Arthur. Et bonjour Bonjour à Arthur. tous. Ça va très bien et vous? Nickel, impeccable, la forme. Ah, Ouais. effectivement, on dirait que le ciel se dégage un petit peu. Ouais. Donc. T'es encore météoré? Ouais. Ah ben oui, pour le départ, je suis toujours en météoréel et puis après on voit ce que ça Ah, donne. ok. D'accord. Voilà. Je suis en train de manipuler un petit peu mieux. Alors ce soir, on a trois avions. C'est vrai que quand tu as un drone qui va à une vitesse correcte, c'est bien. Le DR400, le 172 avec... Qui c'est qui est dans le 172? Arthur. Et le PA28 donc. Thierry. Et ouais, ah, c'était pour voir s'il y en a qu'on suivi ou pas. Bon, donc voilà une scène de Colmar. Donc finalement, on a des scènes de tous les terrains sur lesquels on passe. Ouais. Oui. Donc ça, c'est bien. Allez, avant le briefing, on lance. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde? Il est où? Il est là. Ici. Qu'est-ce que j'ai l'impression d'oublier? Ah oui, c'est ça. Le carburant, on est à 109 litres. Donc, 2 h 30. Non, 2 h de vol. Votre moteur Batterie. tourne déjà? Pas encore le mien. D'accord. On met la pompe, le moteur, Oh, je vais basculer en rire, moi. l'anticol. On va faire un petit brief, hein, Thierry, tu te rappelles? Ah ouais. Hop! Je vais déjà démarrer la VR quand même. Ah oui. Ah oui. Batterie on, beacon. Et on appuie. Ponction. Mélange Ok, à ok. riche. J'allume toutes les lumières et la radio. Et on se met à 1200 tours, le temps que ça chauffe. Et j'ai activé le moteur à 21 h 12. C'est l'heure réelle. Ça y est, il faut qu'il me casse les pieds, lui. Voilà, ça commence bien. Ok. Alors. On va fixer ce truc-là. Voilà. Donc, la météo ce soir, comme on le voit, il a l'air de faire beau, mais moyennement beau. Que dit le météo de Colmar? Donc, à 21 h, variable 1 nœud, 1600 mètres, 1200 mètres, runway 23. 180, qu'est-ce que c'est ça? 1800 mètres. Ah oui, on montait à 1800 mètres, je crois. Et 1600 pour l'autre sens. Brume. Précipitation possible, apparemment. Oui, W, je me rappelle plus ce que ça veut dire, ça tient. Moins 3, moins 4, QNH 1031. Temporairement, oui, ouf. Brouillard. Givrant. Broken 200. Effectivement, c'est pas top, hein. Alors, du courant d'air, ça c'est celle de 18 h, donc à 21 h, ah ben c'est celle où on est, pile dedans. 18-19, on est dedans, donc on a vu qu'à 2000 pieds, il y a du 15 nœuds de droite, d'est. On montera pas beaucoup plus haut, donc c'est pas la peine de regarder ce qu'il y a au-dessus, évoluant vers un peu moins dans le temps. Par contre, sur la carte TMC, on est en plein là-dedans, là. BM, c'est Balmulhouse, on est juste au-dessus, on est là. Donc dans la zone C, localement, scatter broken, donc j'explique ce qu'on voit là. Stratus, 500 000 pieds à 2000 pieds. Givrage modéré de 500 à 2000 pieds. Localement, brume, brouillard, brouillard givrant. V8, V5, localement, V1.5, voire V0. Qui est pas mal quand même, hein. Ouais. Ça donne envie de partir. Et en évolution, à peine meilleure. Non, je dis des conneries, hein. C'est pas mieux, ça reste stable en Oh, pas de fait. soucis. Donc, c'est pas top. Donc là, ça a l'air d'être un petit peu dégagé ici, mais bon, ça peut ne pas être bien ailleurs. Donc, on va se mettre une petite méto adaptée. Donc,
que dit... Alors, Arome, on a regardé tout à l'heure. La surprise, il n'y a pas beaucoup d'informations ici, là. On a l'impression qu'il fait plutôt beau. Si, des nuages élevés, voilà. Moyen, on n'en a pas. Mince. Voilà. Nuages bas, il n'y en a pas des tonnes. Peu de vent. Par contre, quand on a regardé icône des deux, bon, le vent c'est pareil, température on est à moins 3, et les nuages, là, il y en a un peu plus par là, ça va plus correspondre à ce qu'on voit dans le simulateur. Et brouillard signalé également. Donc, il est bien ce modèle-là, ça fait quelques fois qu'on l'observe, hein. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Et nous, on va quelque part par ici, Sarrebourg. Non, c'est Sarrunion qu'on va. Ah, Sarrunion, voilà. On va par là. Donc, on va faire ça. Donc, en fait, jusqu'à Haguenau, et même d'ailleurs de Haguenau jusqu'à mi-distance de Sarrunion, on est dans une zone à mélasse. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Pile dans la zone à mélasse. Donc, ouais, on va se faire une petite météo adaptée. Alors, présentation du vol. Donc, Colmar. Donc Colmar direction Point Écho de Strasbourg, l'aéroport qui est là. Bon, moi j'ai coupé ça en deux hein, sur le mien en passant par Syrah, juste histoire d'avoir un peu un timing. Mais en fait, je vais suivre la 035 qui mène direct à Écho. Comme ça, j'aurai mes points de repère à gauche avec le temps. Ensuite, Neuhof, Strasbourg, Neuhof, hein, c'est bien comme ça qu'on dit. Oui. On passe vraiment sur une zone urbaine. Si on regarde la carte VAC, où est-ce qu'elle est cette carte VAC? Elle est là. On voit qu'on a un circuit de piste qui est parfaitement défini, donc qu'il faut suivre. Piste 647 mètres de landing quand même, hein. 650 à 720 en gros. Donc c'est pas si long que ça. C'est pas court, mais c'est pas si long que ça. Ah, c'est une piste en herbe. Préférentiel 17. Bon, vu qu'il y a du vent variable de 3 fois rien du tout, effectivement, on risque de s'orienter sur la 17. Altitude terrain à Non, c'est la 459 préférentielle pieds. à 17, hein. Tout à fait. Donc, ça ne sera pas contrariant de ce point de vue-là. Et la biroute, elle est quelque part par là. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va suivre comme ça, on va arriver, on doit tomber pile sur le terrain. Et en gros, mince. Derrière. On se fait un virage à gauche et on se positionne en vente arrière main gauche sur la 17. Clac. On arrive, on vire et on se met là. Alors derrière, là, il y a une particularité, sans aller trop dans les détails quand même, on voit qu'on est en pleine zone de Strasbourg. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous raconter, Thierry? Donc pour aller sur Strasbourg-Neuhof, il faut automatiquement contacter Strasbourg, la tour de Strasbourg. Pour autorisation, l'altitude à respecter est 1500 pieds et il faut passer par les points qu'on a définis, donc Sierra Echo, novembre unité qui correspond au pont de Kehl, donc le pont qui traverse le Rhin, qui va de Strasbourg vers Kehl, et on sort par le point Echo qui se trouve un peu plus au nord. D'accord. Quand tu dis écho, moi je vois novembre écho en fait. Novembre écho, pardon, Ah, excuse-moi, ok. oui. Alors j'essaie de déterminer, voilà, la limite de Strasbourg, la CTR, en fait, elle est juste après Syrah, juste après Syrah. Quand on est à Oui. Syrah, j'imagine qu'on est 30 secondes ou une minute avant d'entrer dans la CTR. Ouais, bah de toute Même pas. façon, Ouais. il faut s'annoncer déjà bien avant, ouais. Déjà, ouais. Pour lui dire que tu Que tu veux, veux enfin, que t'as transiter l'intention. Syrah, Ouais, écho, etc. voilà, ouais. Donc en gros, quand on passe la ville qui est avant, il faut qu'on ait contacté déjà, qu'on ait déjà contacté la CTR. Oui, Okay. c'est-à-dire que déjà quand on va pas décoller de Colmar, il faut déjà commencer à gérer à contacter Strasbourg. D'accord. Quand on arrive vers t'as Colmar qui est là. En gros, quand tu as passé Colmar et que tu arrives sur la ville, tu as intérêt d'être sur la fréquence, écouter le trafic. S'il est dense, Ouais, préparer à oui. faire des petits tours.
S'il n'est pas dense, tu peux passer ton message et tu obtiendras la clairance. Voilà. D'accord. Donc, clac, effectivement, on voit bien qu'il y a un 1500 ici, là. Alors, ça, c'est pour un autre circuit, mais là, j'ai vu qu'il y avait un 1500 qui traînait par là, notamment, ouais, c'est ça, pour en sortir de Neuf sur Novembre Echo. Donc, tu m'as précisé également qu'on peut franchir le Rhin, bien qu'on franchisse la frontière également. En fait, on le survole. Il ne faut pas que tu dépasses le Rhin, tu peux le survoler. D'accord. Ok. Voilà. Bah après, si tu le dépasses, tu es forcément en Allemagne. Tu seras vraiment en Allemagne. Après, tu le survoles, tu es à moitié en France, à moitié en Allemagne. D'accord. Ok. Puisque la frontière, elle est au milieu. Bah, tout à fait, ouais. Je vois qu'il y a une zone qui est une réserve également, là, où un petit parc, une petite réserve. Ouais. Bon, donc, de toute façon, on est 1500 pieds, donc on devrait être assez haut. Oui. Quoique, l'altitude, elle est à 400 pieds, donc on est finalement juste au-dessus de ce qu'il faut pour la. Après, cela étant dit, si le contrôleur te dit 1500. Mais 1500. Ah, bah, pardon, c'est précisé dans la VAC, hein, donc. Ouais. C'est principalement quand tu arrives du nord, mais c'est valable aussi pour quand tu viens du sud. Hein. Tout à fait, ouais, c'est ce que j'avais vu. Voilà. Arriver du parce nord. Parce qu'en fait, parce que à un moment donné, tu coupes les axes de Strasbourg, donc. Voilà. Très bien. Alors l'axe de Strasbourg. Ah oui, effectivement, ouais, on est ici. Et donc à Novembre Echo, bon, on sera sorti de la CTR et on ira sur Haguenau. Faire un petit toucher. Donc on fait un toucher Neuhof, on fait un toucher Haguenau. Oui. Ça sera plus drôle. Et ensuite on part vers Sarre-Union. LFQU. Voilà, j'ai vu des altitudes de 2000 et quelques pieds. Il y a un château ruiné. Bon. Alors on va dire globalement pas forcément difficile là pour le cheminement qui nous amène là-bas. Par contre après ça nécessite sur la partie CTR et Neuhof de la précision quoi. Pour y entrer et pour en sortir. C'est la partie difficile du exercice. On va dire l'exercice du soir, il est là surtout. Ouais. D'accord. Bon. Donc après oui, voilà, la nave elle est en soi elle est pas très très compliquée. Il y a des routes qu'on suit qui nous amènent naturellement vers Strasbourg quoi. Ouais. Et ça en réel tu l'as déjà fait ? Enfin, je veux dire, tu l'as fait souvent ou dans les deux sens ? Souvent non. Ouais. Alors je l'ai fait que par le nord. Que par le nord, d'accord. Ouais. Okay. Bon, très bien. Windy, je ferme. Ah mince, ah bah oui non mais alors là ça c'est mal, hein. Ça tient, j'ai fermé la carte. Ah parce qu'elle était mal, c'est dommage. Donc je vais récupérer mon GPX. Ça sert à quoi de l'avoir préparé si je le ferme, hein, franchement. Je te jure. Bon bah ça permet de remontrer les manips à ceux qui ne connaissent pas. Il est où le pan ? Hop, il est là. On met de la couleur. Et hop là, voilà. C'est ça que je veux voir. Mode carte, il est où ? Ah, c'est ça. La carte, elle est comme ça. La main droite. Bien, donc, météo. On passe en météo pas réel. Je suis toujours au mois de juin. Je mets... J'ai un truc qui s'appelle VFR. Et le vent, tu m'as dit du combien tout à l'heure ? 350 ? Non, 160. 160 pour un peu plus de 2 nœuds. J'ai mis 1,5 mètres par seconde. J'ai mis. Alors, allez. Voilà. On divise par 2, on allait. Mais voilà. Pourquoi j'arrive pas à l'enlever ce truc-là ? Donc, tranquille. On recale tout ça. Ça a l'air d'être bien. J'aurais pu couper la pompe aussi. Ah, il y a ce truc là qui clash à chaque fois. Je sais pas d'où ça vient, j'ai pas encore identifié le truc. Bon ben on peut y aller quand vous voulez. Ok, ben on va rouler pour ouais. Alors faut que je prenne la carte VAP quand même, parce que sinon. Je vais partir en dernier, comme ça je filmerai un petit peu. Ah, quoique si je décolle en dernier, je pars en premier. Oui.
Ah ben je vois qu'on peut. Effectivement, on a une. Ouais, on a un grand taxiway là qui va. Ouais, on peut aller jusqu'à la 01 là. Alors effectivement, je vais re-regarder la vague aussi. Quoique c'est un vent du 160, donc plutôt Ah, la quoi 19. que, ouais. Plutôt la 19. Ouais, bon c'est. Ouais. D'accord. Donc on sera obligé de Effectivement. faire un virage. Ah Un voilà. virage pour Ah là reprendre la là. route. Bon, alors je réoriente la caméra, je remets le drone là où je veux, à peu près. Colmar de Fox Golf Alpha Mike Bravo, bonjour. Colmar Fox Mike Bravo, DR400, deux personnes à bord. Prêt pour roulage sur la 19 pour un vol à destination de Sa Réunion. Je roule, point d'attente 19, je rappellerai près Fox Mike Bravo. Ok, allez, c'est parti. Colmar, bonjour, du Fox Golf Shadow Québec Alpha. Colmar, bonjour, du Fox de Québec Alpha. Ça, c'est l'instant, ça se joue sur le parking, club et personne là-bas. Vos points d'attente, puissant service pour une navigation à destination de Sa Réunion, derrière le DR400. Alors, on essaye les freins. Ça freine. Virage Ok, à c'est parti. droite. Virage à gauche, ça va bien. Hop là. Frein, c'est à gauche, efficace et symétrique. Colmar de Fox Delta Oscar, bonjour. Fox Golf Echo Delta Oscar 1 PA28 au Parking Club. Une personne à bord. Nous demandons les paramètres pour un vol à destination de Sa Réunion. J'ai bien pris la piste en service 19, donc je roule au point d'attente de la 19. Et je suis les deux aéronefs précédents. Allez. On fait tout ça en simplifié, en réalité ça dure entre 5 et 7 minutes. Ouais. Le temps de tout faire, de checker tous les éléments. La baisse de régime sur le DR400, elle est longue. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, en vrai, ça va plus vite quand même. Est-ce que ça a consommé quelque chose? 108 litres. Mon avis sous-estime un peu le carburant là, je pense, mais. Alors, vous aviez regardé la carte VAC aussi de Colmar? Non, pas forcément. Alors, ils disent qu'il faut aller jusqu'au bout de la piste 19 pour éviter de survoler Colmar. Ouais. Jusqu'au bout de la piste 19 pour C'est-à-dire que là, éviter tu pourrais Colmar. décoller Oui, de tout là à où tu fait. es, Ouais, bien sûr. mais il faut que tu ailles jusqu'au bout pour être sûr Décoller, d'éviter. enfin d'être en Voilà. altitude aussi haute que possible. Voilà. Logique. Colmar du Fox Mike Bravo, point d'attente Alpha. Je vais pénétrer la 19 remontée pour un décollage. Fatigué ce soir. Il y a des petits plots qui sont au milieu de la piste là encore, enfin du taxi, ouais. Ouais, ça c'est bizarre leur truc là. Alors la pile du compensateur et comment de vol. Les Ouais. barres et symétriques. Configuration décollage. Klaxon. On met la pompe. Ah, oh, j'ai oublié de mettre l'alternateur. Bah, heureusement que j'ai vérifié. Klaxon. Fréquence tour. Essayerais-tu de copier Pascal, Thierry?
Colmar Tour du Fox Québec Alpha Il pour fait la quoi là? tente Il tourne ou Alpha. il tourne pas? Je patiente sur le taxiway Alpha pour laisser le DR400 décoller. Non, 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 je décolle en dernier. On se met en position. Ah d'accord, ça marche. Ah d'accord, bon, on s'aligne tous sur la piste Ouais. alors. Ouais. Colmar du Filmerai au Fox Québec décollage. Alpha, je remonte la piste 19 depuis Alpha. On départ en pseudo-formation. Ça marche. Colbarl de Fox Delta Oscar, je suis l'aéronef précédent pour m'aligner 19. Donc c'est un circuit de piste en main gauche, donc on décolle, on vire à gauche et puis après on prend la route prévue initialement. Tout à fait. 627. Pourquoi je... Ah ben non, oui c'est ça, 627, ok. Bon ben comme ça c'est Thierry qui va nous faire le décollage en premier. Encore moi. Eh ouais, t'es le dernier à rentrer sur la piste. T'es le premier à décoller. Pascal, je vais mettre sur ta gauche. Yes. Moi, je vais me mettre devant vous. Ouais. Par contre, j'aurai pas toute la piste pour décoller, moi. Oh. L'autre fois, t'as décollé sur un tir de piste. Et quoi, il est déjà en l'air là? Bon, ok, nickel. Bon, alors j'ai mis le drone ici. Je veux prendre un avion dans la poire. Voilà, je suis juste en face de toi, pile dans l'axe. Ah. Colmar de Fox Delta Oscar, aligné piste 19, je décolle. Colmar, du Fox de Québec Alpha, on décolle d'Ariel, prêt d'envoyer la patrouille. On attend encore un peu. On surprend. Là, c'est bon. Ils sont dispo. Paramètres dans le vert, pas d'alarme. Jabad actif, on poursuit. C'est amusant, toi t'es tout blanc. Bon, alors, Fox Mike Bravo. On met la pompe. Un cran de volée, il n'y a pas de réchauffe. Ici. Je vire à droite, à gauche, pardon. Oui. Colmar, avec Alpha, monte initiale, piste 19. Et on a lancé le record On actif. coupe la pompe, Pompé, on coupe les volets, on rentre les volets. Colmar, Fox, Mike, bravo. Aligné piste 19, mise en puissance, je décolle. Fox, Mike, bravo. Les actes sont libérés comme là pour Fox avec le cache-bas. C'est reçu pour Fox, Mike, bravo. Le badin est actif, il n'y a pas d'alarme. Rotation. Montée initiale, Colmar Fox Mike Bravo, montée initiale sur la 19. Le marque qui va en traverser la main gauche, piste 19. Hop, hop, hop. 6 et 3, 9, allez, hop, hop, plus. Colmar, Fox, Mike Bravo, virage à gauche pour prise de route à partir de la mi-vente arrière sur Neuf, Fox, Mike Bravo. Québec Alpha, je rentre en début de vente à la main gauche pour prendre le cap sur Strasbourg. Il était 21h33 au décollage. Colmar de Fox Delta Oscar, je quitte le circuit, je quitte la fréquence. Au revoir et bon vol à tous ceux qui sont à l'écoute. Bon, voilà, vous aussi. Donc, on se maintient à 2000 pieds, ça vous va?
Ouais, 2000 pieds, c'est bien, ouais. Comme de toute Parfait. façon, on doit descendre à 1500 pieds après. Ouais. Je vais préparer Alors, 2000 pieds. la carte. Alors, 2000 pieds, on prépare la machine. 1300 pieds. Et voilà, 2000 pieds. Colmar, Fox Mike, bravo. 1002 pieds, prise de route sur Neuf, derrière les deux appareils précédents. Je quitte l'écoute, au revoir. Bonne fin de journée. Colmar, avec mes temps, que ton record sur le circuit à destination de Neuf, bonne journée. Alors là, c'est 19, mais je sais qu'en réalité, moi, c'est un 30. Puis on va arrêter de faire gueuler le moteur, là. On va finir par nous exploser à la figure. Ok, voilà, c'est bon, parfait. Bah là, on fait la radio avec le Strasbourg, on fait seulement un 9. Bah, c'est comme La on veut. je fais la tour, enfin j'essaye d'improviser une tour puisque je suis le dernier. Ouais. Ok, au Strasbourg, c'est 119,25. Alors attends, je vais regarder un peu minimum mon timing. 21:41 pour. Ok. 19,250 pour la tour. Et c'est bon. Strasbourg Tour de Fox Delta Oscar, bonjour. Fox Delta Oscar, Strasbourg Tour, on vous écoute, bonjour. Fox Golf Echo Delta Oscar, un PA28, une personne à bord en provenance de Colmar, à destination de Haguenau, à destination de Sarre-Union. On souhaiterait faire un toucher à Strasbourg-Neuhof, donc c'est pour une autorisation de transit dans vos zones. Fox Delta Oscar, transpondeur 3722, transit par écho, autorisé, rappelez quand vous approchez une minute d'écho. Transpondeur 3732, transit par écho et je rappellerai quand je serai vertical écho. Une minute de écho, Fox. Une minute, pardon, excusez-moi. Une minute écho, Fox Delta Oscar. Et moi, je vais te attendre un petit peu, je suis un peu loin encore. Je suis à 10 minutes, je vais attendre un petit peu. Bon, quoi que. Tour de Donc là, Strasbourg, bonjour, tu peux vous Québec Alpha. Fox Québec Alpha, Strasbourg Tour, vous écoute, bonjour. Alors, moi, je suis le poste de Golf pour Golf Québec Alpha, installation à 132, une personne à bord, table 2000 pieds QNH, transpondeur 7000, nous sommes en preuve. À destination de Sarre-Union. On souhaiterait pénétrer vos zones pour aller faire un toucher à Neuf. Fox Québec Alpha, comme pour l'appareil précédent, transit autorisé, transpondeur 3733, rappelez une minute de écho également. Merci, Québec Alpha. Bienvenue pour le transport 32. Il y aura 8 échos. Et est-ce que je parle le QNH régional, s'il vous plaît? QNH 1031, Fox Québec Alpha. Tu d'aspect pour faire le comme ça. Merci monsieur. Tu vas avoir des drôles de surprises si tu mets 1031. Ouais, bon, je vais pas Parce le que. mettre, mais voilà quoi. D'accord. Bon. Ok, et Pour j'arrive faire à. un peu réaliste quand C'est même. sûr, t'as raison. Oui, d'ailleurs, j'aurais dû te le dire aussi. Bon, je vais pas m'appeler. Alors attends, je vais me focaliser un petit peu sur la nav quand même, parce que là, bon, je sais que je suis sur la bonne route a priori, mais. La ville de Célestat là-bas. Ah, donc on a un étang là. Voilà. Il semblait bien avoir vu quelque chose qui ressemblait à un étang. Ah, t'es plus à l'ouest, il y a un avion qui est plus à l'ouest que moi. Oh, c'est peut-être pas Ah. moi. Ah, je suis à 5 minutes, à 10 000 avant de l'écho. Ah, là, ici. Je suis à 100 000 affichés. Bon, alors l'altitude ce soir, c'est encore un concept fumeux. 41, par contre, là, il y a un truc que je comprends pas.
Est-ce que je suis pas à 41 Ah bah si, peut-être. Ah bah si, voilà, ici. Ok. D'accord, donc c'est celui-là, et là je comprends mieux. Et là j'ai bien dû survoler la ville que j'ai pas vue évidemment avant. T'as dû passer au-dessus de Célestat. Ah ouais, c'est ça. Ouais, pile au-dessus là. Ouais. Ah ouais, Ouais, ah ouais, vous êtes pas bon là. ouais. Mentalement j'étais dans la tour, donc. Donc ok, je comprends mieux là. Parce que c'est pareil, la ville elle était bizarroïde. Donc on a une route pas loin ici, on a une voie de chemin de fer. C'est plat par ici, dis donc. Bah, c'est la plaine d'Alsace, hein. Ah Après, la Vaudrière, ouais, on l'appelle comme ça, hein. bah... Ah ouais, bah ça porte bien son nom, une pipe. Bon, je vois déjà le Rhin. On voit déjà le Rhin à droite, hein, donc. Ouais, ça on se doute un petit peu qu'on va pas tarder. Il y a pas mal de flottes ici, par contre des petites rivières, des petits. Ouais, c'est pour le vin d'Alsace. Ah ouais, c'est bien irrigué. Ouais. Bon, on va considérer. Ouais. Là, j'ai failli fermer le truc. Ah, si on distingue vaguement quelque chose qui pourrait être la route là. Ok, donc on va se dire qu'on est à l'heure. Et 47 sur le point suivant à Echo. Il y a le cours d'eau qui passe par là, Si le donc ça moteur c'est lâche, bon. je crois pas que je sois surpris, moi. Là Ok. j'ai un cours d'eau. J'ai une ville. Ah tiens, j'ai une ville à gauche. Normal. Après, il y en a une autre un peu plus grande là, Rennefeld. Benfeld. Ah ben c'est peut-être bien celle-là, parce qu'elle a l'air d'être bien grande. J'y arrive moi à Alors, Benfeld. si toi t'arrives à Benfeld, c'est sûrement pas moi qui vais y arriver. Hein. Ok. Ah ben à Benfeld, il y a la route. Non, ben, il n'y a pas la route là. Ah, il y a de l'eau là déjà. On se rapproche du Rhin. Ouais. Je vois déjà le point Écho. Ah tiens, tout à l'heure j'avais oublié de dire un truc. Je vais le montrer ici. C'est qu'on a la R199 qui est en fait une zone d'activité Vélivol. 2500 à 4500 au-dessus du niveau de la mer. Bon, autant dire que là, elle ne nous concerne pas trop en fait. Non. J'ai fermé ce que je voulais pas fermer, mais c'est pas grave. Bon, ce soir, le pilotage, il laisse à désirer, hein. L'altitude, tout. Ça, c'est le problème dans le simulateur. Tu sens rien, tu sais, tu sais pas ce qui se passe. Tu le règles pas bien, et donc, il fait ce qu'il veut. Ouais. Ok, donc là on a des champs, des forêts devant nous. Le Rhin, je le distingue à droite, mais comme je suis bas, je suis à 1300 pieds, bah évidemment je le vois pas aussi bien que vous. C'est un petit peu tout l'intérêt d'être à la bonne hauteur. Il y a un avion à gauche, là, un peu plus à gauche, c'est peut-être encore toi. Ah, peut-être. Bah, je suis plus rapide que toi, techniquement parlant, mais bon, de là à ce que je te rattrape tout de même. Bah là, t'as un peu plus en avant que moi, ouais. Ah ouais. T'es plus à l'ouest, mais t'es plus en avant que moi. Je vois tes strobes. D'accord. Ok. Bah, je vais venir vers toi alors pour me ralentir. C'est vrai que là, il carbure. Je suis à 200, Bah, 235. ouais, alors que moi, tu vois, je suis entre 100 et 110 maximum, j'ai pas mis la patate. Eh ben, c'est bien. Je vais essayer de t'intercepter là. C'est cool. Bah, je te vois là. Si tu me vois, En je plus, devrais te voir. t'as ton phare de. Bah, moi, je te vois. Hein. Tu vas me couper la trajectoire, t'es un peu plus bas que moi. Ah ah ah, ça c'est pas une bonne idée. Et là, hop, tu viens de passer là. Alors, non, c'est peut-être pas toi alors. Parce qu'il vole vachement vite l'avion là. Et là, il va vers l'Allemagne. Ben là, je vais vers l'Allemagne et je vole assez vite, Ah, ouais. ok. Et regarde, Ouais, là bon, maintenant voilà. je fais un virage à gauche.
Attends, je te vois plus là. Je t'ai perdu. Ah, ben moi je suis au-dessus de d'une rivière qui mène à un étang. Ouais. C'était moi alors? Ah, ça y est, je te vois là, oui. C'est bon. Tu reviens vers moi là. Ouais, là je suis parallèle à Ouais. la rivière en dessous, là je remonte vers Ok. Neuhof. Ouais. Par contre, toi je te vois pas. Bah moi j'arrive, tu sais, pratiquement sur le Rhin là. Il y a une espèce de petite langue d'eau là. Ouais. Et ben j'arrive là. De toute façon c'est plus très loin de novembre Écho. de Sierra Echo, de Echo pardon. Et toi, t'es où, Arthur? Là, je suis à 2 minutes de l'écho. D'accord. Bon, ben, je t'ai grillé la priorité alors. Je me mets en position numéro 2. Bon, attends, je vais essayer de me regrouper, enfin de Bon, savoir où je je vais suis mettre sur le la carte. phare. Je vais mettre le Parce phare pour que. qu'on me voit de loin. Là, pour donner une idée, je suis à 110 nœuds. Ouais, 110 nœuds. Ouais, moi D'accord. je suis. Ouais, c'est ça, je suis entre 100 et 110 nœuds. Bon, moi je suis déjà. Colmar de Fox Delta Oscar. Colmar. Colmar. Strasbourg de Fox Delta Oscar. C'est Delta Oscar transmettez. Je suis à 1 minute du point Echo. Donc, pénétrer la CTR, 1500 pieds, transit à Echo, rappelé à 30, à 1 minute de la verticale de Neuf. Delta Oscar. Autorisé pénétrer la CTR 1500 pieds et je rappelle verticale Echo Fox Delta Oscar. Ok, ben moi je vais me mettre en régime vol lent, 150 km/h, parce que là j'arrive peut-être comme une fusée. Là, j'arrive à Echo dans 2 minutes à peu près, Ouais. je pense. Bon, 2 minutes. Puis je vais essayer de me repérer parce que faire le sagouin là, c'est bien, mais. Alors vous savez ce que c'est le point Echo? Non. C'est une petite base nautique. Oh. Je vais y arriver. Vous pouvez pas vous tromper, il y a des bateaux. D'accord. Strasbourg, remonte toi, je ne me casse pas. Tu proposes quoi? Alors c'est. Strasbourg, je ne me casse pas. Ah oui. Ouais. Compréhension mitigée, Arthur. 3-5. Strasbourg, je pense que ne me casse pas. Ah, Fox Québec Alpha, Strasbourg vous écoute, vous entend. Transmettez. Je suis à 1 minute du point Echo. Fox Québec Alpha, transit CTR autorisé, altitude 1500 pieds, rappelé 1 minute verticale de Neuf. Fox Québec Alpha. Sur Québec Alpha, autorisé pour la pénétration 1500 pieds. Aussi, je rappelle vertical terrain. 1 minute verticale terrain, Fox Québec Alpha. 1 minute sur Québec Alpha. Ouais, parce que je t'entends mal quand t'es dehors en vue drone, je pense pas que je t'entendrai Du pas. tout, du tout, je suis à l'intérieur là, tranquille. Strasbourg de Fox Delta Oscar. Tesla Oscar, Strasbourg, écoute, transmettez. Je viens de passer le point Echo, donc je poursuis jusqu'à Strasbourg-Neuhof et je rappelle 1 minute avant vertical Neuhof. C'est bien comme ça, Fox Québec, Delta Oscar. Ah, tiens, moi je viens de trouver quelque chose d'intéressant là au sol pour me repérer sur la carte. Je vois le terrain déjà, moi. Ah ouais, d'accord, ok, ça y est, je sais où je suis là. Ouais, je distingue le terrain également. Ouais, moi je suis sur l'autoroute, bah, je suis à 1 minute de verticale du terrain. Strasbourg Ok. de Fox Delta Oscar, je suis à 1 minute de Strasbourg-Neuhof. Donc Fox Delta Oscar, prenez la route pour vous intégrer début devant arrière pour un toucher sur la 17 en main gauche. Je
m'intégrerai en vent arrière, début de vent arrière pour la 17 main gauche Fox Delta Oscar. Strasbourg, Fox Québec Alpha. Fox Québec Alpha, transmettez. C'est Québec Alpha, nous sommes à 1 minute de la verticale terrain de New York. On va faire un toucher. Fox Québec Alpha, faites un 360 par la gauche, retardement, en raison de deux appareils présents dans le début du circuit à Neuhof. Fox Québec Alpha, 360 par la gauche, à 1900 pieds. C'est reçu Allez, pour Strasbourg. on met la pompe, la réchauffe carbu. Avec un peu de bol, je vais te trouver. Voilà, je suis en début de vent arrière, moi. Par contre, à 2500 pieds, bah, je vais te laisser passer. Je vais faire un 360 également pour te. Je Par suis. contre, moi, la zone, elle est complètement floutée. Ah bon? Non, non, elle est bien nette, Ah. ouais. Nickel. Ouais, mais t'as quoi comme map? Bing, pardon, Google. Ah, bah moi, avec Bing Claytest, alors là, j'ai des damiers, moi. Ah ouais. Ah, ça, c'est un peu nul. Complet, ouais. Donc je suis en virage à un petit nautique au sud. Je suis à 1800 pieds. Pas de visuel. Donc, du coup, je vais pas bien voir la piste, hein, comme c'est tout flouté. Ah là Ça, c'est un peu nul. là. Ouais. Bah. Strasbourg, Québec Alpha. Strasbourg, écoute, Québec Alpha. Québec Alpha, nous voulons définir notre 360 pour avancer notre route pour la verticale du paire de 9 pour un toucher. Donc, intégrer la vent arrière, enfin, faites route pour intégration de vent arrière main gauche pour un toucher à 9 en 17, Québec Alpha. Pensez que Québec Alpha a bien pris pour la 17. Il va falloir que je dessus. Merci. Je vais me Alors là, poser. je te Je vais vois faire pas. un complet, moi. D'accord. Je vais faire un complet parce que je vais changer de dalle. Là, ça va pas du tout. Ok. Bon, ben Bon, je je suis en m'intègre. finale. Je me suis pas D'accord. annoncé, mais je suis en finale. Ah, bah ça, c'est du beau, ça. Ah oui, Du mais coup, là, j'étais. on passe sur la fréquence de 9 alors là, pour un titre 88. Non, non, Oui, tu. oui. Ah bon, tu peux? Bah, après, oui, tu peux faire. Marche, Bon, j'y ok, bah, suis. on fait de Attends, bah, l'auto-info je vais alors. dire. Ok, bah, moi je suis en début de 9, Fox Mike Bravo en DR400, en début de vent arrière pour un toucher, pour un complet main gauche à 9, Fox Mike Bravo. Fox de Québec Alpha, bonjour. Fox de Fox de Golf, le Golf Québec Alpha, un 900 pour nous, sur le transpondeur. Table 10, QNH, transpondeur 7000, nous sommes en provenance de Colmar, pour appuyer, on peut estimer à 30 secondes pour un toucher. Dans 17. Cran de volée, la pompe, la réchauffe. Voilà, 150, un petit peu haut. Neo Fox Mike Bravo. Début de vent arrière, tour incomplet, donc sur la 17 à 9. La scène à la pompe à la. On passe le canal. Ok, je vais tirer au sol. Ah ouais, quand tu arrives pour la première fois sur un circuit, c'est pas si simple que ça, hein. Bah oui. Quelque fois, je vire en mode traversée main gauche pour la 17, parce qu'on pourra compter également. Reçu pour le Mike Bravo, je suis à peu près à 30 secondes fin de vent arrière, main gauche pour un complet. 9. Bien sûr. Alors on descend 1300 pieds.
Là, en fait, faut que tu aies alpha, monte arrière, main gauche, 1300 pieds. Pour un tout, pardon, sur la piste 17, pour faire base main gauche. Neuf, Fox Mike Bravo, établi final 17 pour un complet à neuf. Fox Mike Bravo. Déjà, sur vous. Déjà, sur vous. Reçu. Alors, pompe, phare, regard franc. De machine, klaxon, et on débute. Bon, pas longtemps. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ok, la descente. Neuf, pour ça Québec Alpha, je vire en basse main gauche sur la 17 pour un complet. Dégage à droite ou à gauche, Thierry? Écoute, je sais pas parce que comme moi j'avais tout en damier, je voyais pas Ah, je te vois à trop. gauche là. Voilà, je C'est suis. à gauche, ouais. Je te vois C'est à gauche arriver. déjà, ouais. Ok, je suis en bout de piste là. Les bâtiments sont là-bas. Québec Alpha, basse main gauche, la 9, déjà en 17. Ok, ça y est. Je vois les. 9, Fox Mike Bravo, libère la piste 17 pour l'appareil qui s'apprête à atterrir. Merci. Donc, une note pour ce qui est fin d'un virage pour la 17 avions pour un complet. On préchauffe les volets, le message est fait, on est autorisé. Dans la vitesse, on appuie en. Ok. Légèrement haut, on va reprendre un peu le plan. Neuf, quelques fois, très courte finale, et sur 17 gauche, dans 17 avant. Québec Alpha, remise de gaz sur la piste 17 à 3 derrière main gauche. Eh, j'ai eu Merci. un lag. J'ai eu un putain de lag là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un lag. Tu m'as fait remonter. Ouais, j'ai vu l'appareil qui rebondissait un petit peu. Ok, en vrai. Ouais, j'ai eu un trou, on va dire. Enfin, c'était bizarre. D'accord. Bon, bah, c'est bizarre. Moi, ça m'a pas enlevé les damiers. Hein. Je suis passé en Google, mais ça m'a pas enlevé les damiers. C'est bizarre ça. Mais pendant Neuf, que. Québec la femme en traversant ma gauche. Moi j'en profite pour visiter un petit peu la scène. De toute façon, on décollera en 17. Oui. Donc on a deux bimoteurs jaunes. Il est en train de changer les deux trucs là. Pourquoi tu t'étais remis en Bing alors? Ben parce que j'ai l'habitude de me mettre en Bing Latest. Ah oui. Mais là, je me suis fait avoir comme un. Ouais, c'est bon, il est en train de charger les bonnes dalles. Enfin, je vois. Et de toute façon, avec la scène, t'avais pas tout non plus qui était complètement massacré. T'as bien vu le terrain un peu quand même. Bah, je devinais parce qu'en fait, comme ils avaient tout flouté, et Ouais, mais la ben. scène du terrain, elle est par-dessus, malgré tout. Bah, a priori, non. Tu Ah vois, bon? elle apparaît seulement maintenant. D'accord. Avec Bing Latest, t'avais des trucs qui étaient au-dessus. Ok. Peut-être une histoire de priorité, hein, j'en sais rien. Sans Peut-être doute. pas. Mais Neuf, bon, une fois ça. sur le main gauche, 1300 pieds pour un complet sur la 17. On appelle en base main gauche. Bah, je vais me rapprocher des baraques, hein, puisque c'est là qu'il y a l'aéroclub. Ouais, bah j'y suis. Là, je suis en train de visiter. C'est sympa. Ouais, j'y étais en drone aussi. Ouais, joli, joli travail sur la scène. Hein. Là, je vois bien les marques de la piste. Donc, Ouais. c'est beaucoup mieux. Ah bah oui, ça aide. Ah, Hein. bah alors, attends, ouais, mais là, c'est encore un truc. C'est encore un bug de Flight Simulator. Parce que tu vois, quand je recule,
Il me remet les vieilles dalles. Ah, il les a gardées en cache ou quoi? J'en sais rien. Bon. Léo, fait ce que c'est quelque fois, base main gauche, piste 17 pour accomplir. Allez hop, Flap je vais rouler suite. jusqu'au truc là-bas. Pompe réchaud, phare volé. Ok, on n'a plus que le message. Je suis au niveau des chevrons, Arthur. Ouais, là j'étais un peu trop, mais à poil vite. Ouais, t'avais pas mis trois crans de volée là. Non, j'avais mis les deux au lieu de le D3. Ouais. Bon, moi je me suis même posé sans voler, alors tu vois. J'étais tellement perturbé par ce truc-là que. Léo, Fox Fox Québec Alpha, finale piste 17, avion. Aura complet, rappel vitesse contrôlée pour rouler au Paris Club à l'issue. Alors, pompe réchauffe, phare volé, on est bon. 60 nœuds, on est bien. Voilà. Ça y est, visuel sur l'appareil. Allez, feu de l'appareil. Donc tu touches les chevrons, hein. Pas avant, pas Ouais. après, les chevrons. Allez, vas-y, impressionne-nous. Hop, je vais me remettre en début de piste. Je vois Arthur qui se pose. Ok, Voilà. 30 mètres avant. Merde. Oh, c'était beau, hein, Neuf, c'était bien fait. avec un feuille de contrôle, je dégage par le taxiway à ma gauche pour aller au parking club. Non, non, on va reprendre toute la route là direct. T'as dit que t'es Ouais. retourné sur le début de piste, Thierry. Oui, là, j'ai pas. En fait, tu vas vers le Non, club. non, ne tourne, ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas. Là, tu nous coupes la route là. Ouais, ou alors Attends, t'attends. parce que moi je te vois là-bas, donc je pensais que tu allais avancer un peu plus tard. Bah écoute, à ce moment-là, ouais, tu te réalignes et tu pars le premier, donc bah ok, on fait comme ça. Et moi je pars toujours le troisième. Tu veux. Bah, on va laisser un peu plus de temps entre nous parce que Ouais. au niveau des comptes des radios, ça fait un peu Ouais. ça se bouscule, tu vois. Bon, alors du coup, il faut que je laisse Quoi, passer donc Arthur, t'as moi. dégagé. Non, bah écoute, ouais, comme tu veux, hein. Parce que je suis. Bah je vais me mettre sur le côté. Après, Thierry décolle hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, bon bah alors j'y vais. Haguenau de Fox Delta Oscar au point d'attente Alpha, je roule pour la 17. Je Le m'aligne. trafic va démêler, vous vous êtes trompé de terrain, c'est neuf. Hein. Ah oui, Neuhof, effectivement. Ah, par contre, t'es toujours 3 m... là, t'es 5 mètres au-dessus du sol, à peu de choses près. Moi? Bon, il doit y avoir un problème alors. C'est bon, tout est coqué, la pompe est mise, réchauffe carbu, elle est coupée. Un cran de volée, on est prêt. Allez, je vais mettre le démarrer sur pleine puissance. Neuhof de Fox Delta Oscar, aligné 17, je décolle. Puissance est disponible. Hop, lâchez les freins. Le badin est actif, pas d'alarme. Il part vite le badin là. On est bon, parfait. 60 Léo, nœuds. Hop, on Léo, faut tire. que c'est Québec Alpha pour l'attente Alpha pour la 17. Je m'aligne et j'attends 15 secondes du turbord de siège. Alors, Pascal, t'es où? Je suis loin Ah derrière, oui. mais le drone il est devant, il est au niveau des chevrons à nouveau, mais de l'autre côté de la piste. Ok, pas de soucis. On baisse les volets. On coupe la pompe. Virage à gauche.
Alors, pendant que tu es en stand-by. 9, j'attends 15 secondes. Donc, nous, on va survoler. Donc, on garde le Rhin sur notre droite. Et on cherche Novembre Écho. Oui. 1500 pieds. Bon, j'attends que les dégagés l'axe. Plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Néophone, Fox Lac Alpha, décollage piste 17. On suit l'appareil précédent. Puissance sur frein. Sans disponible. Tous les paramètres restent dans le verre 3, 2, 1. Frein lâché. Take off. Paramètre d'enjeu. Noyoff de Fox Delta Oscar, je suis en sortie de circuit, je quitte la fréquence pour reprendre Strasbourg. Au revoir. À vous. Bon vol Québec Alpha. Merci. Québec Alpha monte initial, question 10, 4 avions. Okay. Strasbourg okay. De Fox Delta Oscar, rebonjour. Fox Delta Oscar de Strasbourg, rebonjour. Je viens de quitter Neuhof, j'ai repris la route vers Novembre Écho à 1500 pieds. Donc transité vers Novembre Écho, rappelez une minute Novembre Écho, Fox Québec, Delta Oscar. Je rappelle une minute avant Novembre Écho, Fox Delta Oscar. Néophone, Fox Delta Alpha, on va traverser main gauche, on va prendre un intérieur pour ensuite prendre le cap pour Novembre Écho. On va pas vous quitter. Donc là, on prend 1500 pieds, toujours. Ouais, c'est ça. Ça marche. Oui, le transit c'est 1500 pieds. On le voit sur la carte OACI d'ailleurs, c'est marqué. Ouais, autant pour moi. Donc bah là, je reste au-dessus du Rhin. Ouais. Là, c'est la précision. Je fais coucou à mes amis allemands à côté. Ok. On va monter à main gauche, on va pouvoir quitter la fréquence. Ok, donc on a un cran de volée. On remet la pompe. Les 400 est déballé, c'est bien. No Fox Mike, bravo. Point d'attente alpha de la 17. Je pénètre la 17 pour décollage à destination de Haguenau. Transit 1500 pieds vers Novembre Écho. Off, Québec Alpha, peut-être ce record sur circuit. Bonne journée. Bon, bon vol, Québec Alpha. C'est bon, là aussi. Ok. Bon, rebonjour, tu vois que c'est Québec Alpha. Fox Québec Alpha, Strasbourg, rebonjour. Transpondeur 3733. Bon, c'est 4733 en ferro sur Novembre Écho. Hop là, transpondeur 3733 Québec Alpha. 3733, pardon, excusez-moi monsieur. En ferro sur Novembre Écho à 1500 pieds, QNH. Transité donc Novembre Écho, 1500 pieds effectivement. Rappelez une minute de Novembre Écho, Québec Alpha. Moi j'appellerai à une minute de Novembre Écho, Fox Québec Alpha, merci. Strasbourg de Fox Delta Oscar. Delta Oscar, retransmettez. À 1500 pieds, à une minute de Novembre Écho. Donc, vous sortez de la CTR, passez sur la fréquence de Haguenau pour les contacter. Bonne fin d'après-midi, bon vol. Je passe sur la fréquence d'Haguenau. Merci pour le suivi, bon vol. Bon vol. ouais, moi je vole, ouais. Sauf s'ils sautent de la tour. Ouais. Bon, alors donc. Bon, on a vous. Puissance sur frein. Disponible. On lâche les freins. Un cran de volet. La pompe.
J'enlève la réchauffe. Le badin s'active, pas d'alarme. Rotation. Neuf, Fox Mike Bravo, montée initiale sur la 17 pour une prise de route à destination de Novembreco à travers. En mi-vent arrière, à partir de la mi-vent arrière, Fox Mike Alpha. Bravo. Allez hop, je vais reprendre l'altitude. Novembreco. Plus de volets. Donc je vais penser à noter 22h12 pour le début de la branche suivante. 9 Fox Mike Bravo mi-traversier. Strasbourg, Fox Mike Québec Alpha, nous sommes à 1 minute maintenant, Rico. Fox Québec Alpha, transpondeur 7000, quittez donc, vous quittez la CTR, prenez contact avec Haguenau. Bonne fin d'après-midi, bon vol. Québec Alpha, transpondeur 7000, affirme. Bonne journée, bon à tous, pour que vous en pensez. Alors, 7000. Avec Haguenau. Haguenau, c'est 120-63. Donc Haguenau sans dessous info. Ouais. Yes. Y a pas de. Ouais, c'est retour info. Bon ben voilà, on va en Allemagne là. Tour de piste 1500 pieds. Et moi je suis sur le Rhin. Hop là, non, je suis de l'autre côté là. Haguenau, Fox Mike Bravo, 1500 pieds en route vers Novembreco. Quitte le circuit pour reprendre tout. Avec Strasbourg Tour. Au revoir, bonne fin de journée, bon vol. Bon, évidemment, je rappelle pas Strasbourg Tour. Ah, 1500 pieds, nom d'une pipe, c'est 1500 pieds, pas 1420 ni 1440, 1500. Bah là, il va falloir commenter à 2000 pieds du coup pour la verticale terrain. Ah, bah niveau. Après, ouais. Oui, 2000 pieds, ouais. Donc j'ai dit 22-12. Okay. Là. Il n'y a rien à faire, hein. J'ai du mal. Hein. Ah, je vois déjà le terrain d'Haguenau. Haguenau de Fox Delta Oscar, bonjour. Fox Golf Echo Delta Oscar, un PA28, une personne à bord en provenance de Colmar à destination de vos installations. Actuellement 2300 pieds, je rappellerai vertical pour les paramètres, notamment la puissance service. Haguenau, Fox Québec Alpha, bonjour. Haguenau, Fox Golf, Golf Québec Alpha, un test table à 2000 pieds QNH. Du terrain de Neuf à destination de cette station. Nous sommes à 2 minutes de la verticale terrain pour l'intégration et les super touchés. Alors, les roues, cette biroute là. Elle est au niveau de la piste 03 en herbe. Ok, ville voie ferrée. Ah, je crois que je vois quelque chose là. Oui. Ok, je vois le terrain. Il faut essayer de survoler les patins ici.
Ok, ville jaune, et on passe entre les deux, quoi. Alors, il y a une ville jaune avec un étang, c'est celle-là. Voilà, ensuite il y en a une autre. La petite ronde, et ensuite il y a l'autre. Voilà. Et c'est quoi Novembre Écho? J'avais pas regardé. Bon, c'est le sud d'un village. D'accord, là où il y a un étang, en fait. Oui, voilà, ouais. Alors, route suivante pour 2300, pardon, 239. Et il est 22-16. Alors, Beyrouth, allez, Beyrouth. Attends, ça va pas là. Haguenau de Fox Delta Oscar en vente arrière pour la... là. SH240. Eh, je me suis trompé, moi, c'est pas 240 à partir de Novembre Écho. C'est pour la 21. Haguenau, Fox Delta Oscar, passe vertical terrain 2000 pieds. Et en main gauche pour la 21. Tu leur feras pour un toucher. Ça, c'est une 300. Haguenau de Fox Delta Oscar en base pour la 21. D'accord, on va appeler ça dur. Piste à 800 pieds. Fox Delta okay. Oscar Haguenau en finale 21. C'est bon. Pour un toucher. Donc la tour de piste à 1500 pieds. Tu me donnais un 240, tu sais. J'ai dû mettre 240 au lieu de 340. Ah oui. Si je vais au sud-ouest, ça va pas le faire. Hein. Ok, donc elle va avancer avec la main gauche de 1500. Derrière main gauche pour la matune. Ok, je me rappelle qu'il y avait de la forêt à proximité d'Haguenau. Ça doit être la ville qui est au fond là-bas. Ah, visuel sur un. Ah, bon, virtuel, ouais. Je pense que je vais rattraper Arthur. Allez hop, on va intercepter Arthur. Je te vois pas, je t'avoue. Allez, je suis reparti moi. Il faut surtout bien décliner les. Après toi, Québec Alpha, je suis en arrière, main gauche, de 1300 pieds. Main gauche, pour la battue, en dur, ça se passe. Ben, j'ai déjà un visuel sur le terrain, moi. Et donc, je confirme, c'était... Et je t'ai perdu de vue. Alors, pompe, phare, Swan. Swan, ok. Je fais à 1400 pieds, je fais un virage à gauche de retardement. Haguenau qui peut être phase, milieu de vente arrière, main gauche, 400 pieds par la matune, on fait leur base même. Haguenau de Fox Delta. Vas-y. Haguenau de Fox Delta Oscar, je suis en sortie de circuit, je quitte la fréquence. Au revoir. Voilà vous. Agonone, il faut que le Québec Alpha base main gauche, piste 21. Touché, on va tuer en dur. Agonone, Fox Golf Alpha Mike, bravo. DR400 après un virage de retardement. 1400 pieds pour une prise de début de vente arrière, 1500 pieds. Pour un touché sur la 21, Agonone, Fox Mike, bravo. Alors, sauf que c'est la 03 qui est préférentielle, mais. Vous êtes sur la 03, vous ?
Non, non, la 21. Ah bon. La 21, ouais. Parce que le vent est... D'accord. Il dit que c'est la 21. Allez, pompe. Réchauffe. Argonaut, Foxy, dernier virage pour un toucher sur la 21. Arc blanc, un cran de volée, 1 400 pieds. Hop, on laisse tout réduit. Argonaut, Foxy, Québec Alpha, très courte finale. Piste 21 pour un toucher. Circuit. Haguenau, Fox Mike, bravo. Je passe en base main gauche pour un toucher 21. Haguenau, Fox Mike, bravo. Visuel sur Ok. l'appareil. C'est reçu, Québec Alpha. Alors, pompe réchauffe, phare volé. La puce est assez courte, ça fait en dur là. Ok. C'est bien la pente. Ok. Ça aide d'y être déjà venu en virtuel, hein, Thierry ou Arthur. Je me rappelle hein, des tours de piste et tout qu'on avait fait ici. Là, c'était sous P3D, donc ça remonte pas hier. Ah oui. Ok, on a posé. Il y avait même Ouais. un château d'eau quelque part. Ah oui, tiens, elle est dure celle-là. Putain, d'arbre juste à côté. Haguenau Ça sent Fox Mike bravo en finale pour un toucher 21 dur Fox Mike bravo. pas. Gunner, Québec Alpha, en montée initiale pour la 21. Deux crans de volée, pompe réchauffe. Tout réduit. Filet. Rentrer. Ok. Alors, la direction Sarrenion. Top sécurité. Après, les Un axes cran de sont éclairés. volée, remise de gaz, on rentre la réchauffe. Hop là. Ah ben la piste elle est très courte, très pas étroite. Ah oui. Enfin très étroite, pardon. Avec le cheval, les axes sont libérés, dégagés. On prend un cap sur sa réunion. On va rappeler en quittant en fréquence et circuit. Haguenau, Fox Mike, bravo. Montée initiale 21. Je vais faire une verticale 2000 pieds pour prise de route sur sa réunion. Fox Mike, bravo. Rappellerai pour la verticale. Après, tu pouvais prendre un petit croisement si tu veux gagner un peu de temps. Non, non, c'est juste pour profiter de la verticale. Marche. Parce que j'ai pas eu trop le temps de voir le terrain là. Il m'a semblé d'être bien fichu. T'as les Ah, ça rendus. va, hein, ça va. Oh, les rendus visuels, dis donc. Terrible, hein. Alors, je Donc confirme, là, plus de pompe, plus de réchauffe, pas de volée. prochaine fréquence, c'est sa réunion alors. Ouais. C'est ça. Et c'est 123,5 de mémoire par fréquence. Oui. Ok. AB2 qui veut que le j'ai plus de force le circuit à 2000 pieds en quête par l'est direction Sarre et une bonne journée pour à tous. Haguenau, Fox Mike, bravo. 1 750 pieds vertical terrain, prise de route ouest 280 direction de sa réunion. Fox Mike, bravo. Rappel pour quitter. Donc il est 22-25. J'ai rien fait et l'autre le vario il me prend 1000 pieds là.
285. Alors, j'ai un point intermédiaire, moi, à 22-32, qui est novembre écho de je ne sais plus quel terrain. LFQP. Alors, 285, c'est plutôt par là. En principe, on n'a pas de vent, donc on ne va pas se faire dériver. C'est un peu laborieux ce soir. Ouais. Bon, par contre, là, va pas se passer grand-chose, hein. Ah bah c'est grand chose. On est à nouveau au-dessus des plaines d'Alsace. Non? Ouais, c'est un peu plus vallonné après, hein. Ouais. Oui, je sais Ouais. qu'on va franchir un peu un relief à un moment donné, mais. Ouais. En tout cas, il fait beau là, ça fait du bien. Alors, tu restes. Inspire. Alors, je vais quand même me mettre à l'altitude prévue parce que comme il y a un peu de trucs à franchir, 2600, ouais. Ah ben 2400, 2600, on y est presque. Voilà, normalement les reliefs qui sont au bout là-bas. Remarque, si ce qui se fait bien sur celui-ci, c'est que quand tu mets la patate sur enfin sur le 180 chevaux, tu as intérêt à bien cabrer pour prendre ta pente de montée et mettre la patate. Sinon, si tu mets la patate d'abord, tu vas taper dans les 2700. Ah oui. Ouais. C'est une infernalité infernale. Par contre, il prend un vario positif comme ça de malade d'un coup. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon. T'as pris une pompe? Ouais. Une pompe dans un vent ascendant Ouais. de rien du tout, ouais. T'attends en été, donc il y a la chaleur aussi qui fait ça. On va savoir. Bon alors, qu'est-ce qu'on a sur le côté là, des petits villages? Donc si vous ne trouvez pas sa réunion, hein, dites-vous qu'il est près de l'autoroute. Donc si vous trouvez une autoroute, Vous trouvez sa réunion? vous trouvez sa réunion. Après, il faut partir dans le bon sens. Ah oui, ça. Donc à 32, je devrais être sur le repère suivant. Ah ben oui, c'est sûr que si je prends 310 au lieu de 280,
Ah ben voilà, ça pourrait être la ville que je me disais, la Metz. Ah non, Ingwiller. Ah non, voilà, Merz, Willer. Ça me paraît un peu tôt. Ou alors c'est peut-être plutôt celle-là. Bah, je serais plutôt ici, là, vu qu'il est 31. Qu'on a une voie de chemin de fer qui part par là. Tiens, allez hop, on va chercher la voie de chemin de fer. Elle est pas évidente à avoir, hein. Tu parles de la même ville que moi là? Je suis un peu plus loin que toi, moi, mais. Oui, non, mais si tu parlais de celle-là, tu l'as vu passer. Ah oui, je l'ai vu, ouais. Mais sinon, c'est la voie ferrée, je parlais. Ah oui, c'est ça. Quelle part? Donc elle est au sud. Ah ben non. Si c'est celle-là, si je suis à Ingvillers, elle traverse la ville. Alors là, que dalle. Par contre, j'ai vu une route qui traversait nord-sud là. Voilà, oui, tiens. Ah ouais, ça c'est peut-être ça. Qu'est-ce que t'as dit? Faut que je pense à changer le réservoir quand même. Ah ben oui, toi, ouais, tu peux. C'est ça, c'était Ingvillers. Il Puisque je suis y à vraie a des éoliennes. proximité des reliefs. Et Il y a j'étais des un éoliennes peu par au là. nord, d'accord. Et il était Ouais, bien c'est bon. 22h32. Je vois les éoliennes. Et donc à 39 pour Q. Sachant que moi je suis au nord du terrain. Bon, bah, c'est bien. Alors on va étudier. Arrivé. Ah oui, effectivement, ouais, d'accord. Donc on tape la route. Ben, à un moment donné, le plus simple pour moi d'arriver, c'est de, puisque je vais au nord-nord-ouest, enfin légèrement nord-ouest, c'est de prendre carrément en ouest, tu sais, d'intercepter la route et de me la laisser me guider au terrain. Ouais, bon là de toute façon ça sera la 26 en service normalement. Ouais. La 27 pardon. 26 non c'est 26. Alors, il commence à y avoir des reliefs, c'est joli là. Ouais. Alors, il y a un bonjour de faire ce qu'on bonjour de faire ce gauche, qu'on dépêche. 62 000, tout à l'heure. Table 2068. Bon, pas de fondation. Donc, à Ça y 5 est. minutes de la verticale terrain de l'intégration. Je viens de voir la voie ferrée. Ok, Les donc sérions, votre ça. commencement dans le secteur est. Pardon, allez-y. Sa réunion de Fox Delta Oscar, bonjour. Fox Golf Echo Delta Oscar 1, PA28, une personne à bord en provenance de Colmar à destination de vos installations, actuellement 2700 pieds à l'est du terrain. Je rappellerai vertical terrain Fox Delta Oscar. Ouais, c'est, je crois que je vois le terrain. Dans le secteur est du terrain. Donc j'étais là, clac clac clac, par ici, il doit y avoir un patelin un peu sur la droite. Donc il y a la route. Il y a une rivière. On est deux ce soir, je peux demander à mon passager de regarder.
Altair est là. Sa réunion de Fox Delta Oscar, j'arrive vertical terrain pour intégration piste 26. Je rappellerai en début de vent arrière piste 26. Fox Delta Oscar. Est-ce que ça serait-il pas l'autoroute là? Arrivé à 39. Ok, visuel sur l'autoroute. Je dois être par là s'il y a un échangeur. Donc 26 en main droite. Oui, c'est ça. Donc au nord de la ville, enfin nord-nord-ouest de la ville. Sa réunion du Fox Golf Alpha Mike Bravo, bonjour. Sa réunion Fox Mike Bravo, DR402, personne à bord en provenance d'Haguenau, destination de vos installations pour un complet. Je suis 2400 pieds, je dois être entre 2 et 3 minutes 30 au sud-sud-est des installations. J'ai repéré l'autoroute, je chemine vers sa réunion. Rappellerai terrain en vue Fox Mike Bravo. Sa réunion de Fox Delta Oscar, vent arrière 26. Novembre, Québec Alpha, on vous écoute. Québec Alpha, prenez la radio. Fox Québec Alpha, on t'entend. C'est parti. Par contre, qualité moyenne. Ah ouais? Ouais, c'est un peu mieux, ça dépend comment tu parles, ça dépend ce que tu dis. Attends, c'était bien paramétré, donc c'est bien. Sa réunion, c'est un patelin, non, qui est pas dans, dans un creux, là. Non, je ne pense pas. Non, mais la piste, elle fait une bosse. D'accord. Sa réunion de Fox Delta Oscar en base 26 pour un complet. Donc, il y a quelques fois, je suis une calcaire pour une opération à 2600 pieds qu'une hache. C'est là. Sa réunion de Fox Delta Oscar en finale 26. Sa réunion. Il y aurait un Mirage qui va être parqué juste en face des hangars. Je n'ai pas de bêtises. Je reporte en vent arrière main gauche pour la piste 08. Pour accoupler correction vent arrière main droite. Voilà ce que je cherchais pour confirmer ce que je pensais. Voilà, ça, c'est ça. Sa réunion du Fox Mike Bravo, je suis sur la. Comment on appelle ça? Le grand. Ouais, grand parking. Ah putain, comment ça s'appelle? Une station, une grande aire au niveau. Une grande aire de repos au niveau de l'autoroute, donc je suis au bon 3-4 bancs nautiques au nord, 2400 pieds. Je reviens sur les installations, rappel terrain en vue, Fox Mike Bravo. Sa réunion de Fox Delta Oscar, la 26 est dégagée. Ok, ben j'arrive par contre, du coup, j'arrive en bonne configuration. Avant, tu vas avoir un mirage normalement. 1800 pieds, donc je suis 1900.
Alors j'ouvre à droite pour être certain de voir le terrain. Donc là je vois quelque chose qui est la ville. Bah donc c'est bien ça, la ville elle est en contrebas alors. Oui. Ok. Tu vois, j'avais pas bien regardé ça. Main droite pour la 26. Sa réunion Fox Mike Bravo, on est 2400 pieds au nord de la ville dans le vallon. Je dois être vertical terrain parce que je vois rien du tout. C'est une piste en quoi? En dur d'ailleurs. Oui, à l'endurance. En plus elle est en dur, donc si je la vois pas, c'est que je suis dessus ou alors je suis bigleux. Sa réunion de Fox Delta Oscar au Parking Club, je quitte la fréquence. Au revoir. Sa réunion, Québec Alpha, vent arrière, main droite, 1800 pieds. Main droite, piste 26 en dur, moi complet. Alors, ce qui me plaît pas, c'est que là, la ville n'a pas une grosse densité. Donc, je me demande si c'est celle-là. Mais c'est le premier patelin que j'ai vu après. Et elle est bien à gauche de l'autoroute. Il y a bien une rivière. Alors, le terrain, si je suis au bon endroit, il doit être quelque part derrière en gauche, en bout d'aile, là. Mais alors, je vois que dalle. La Ouais. Réunion, Québec Alpha, pour la piste de 26. Le grand rond qui barre l'autoroute, c'est bien une grande aire de stationnement, enfin une grande aire de repos. Non, ou Ouais. c'est un péage? Ah, c'est peut-être un péage. Non, je pense pas qu'il y ait un péage à cet endroit-là. Bon, parce que je vois rien de plus que ça là. Sa réunion du Fox de Québec Alpha, pour accompagner. Contrôler. Ce qui me chiffonne, c'est que je l'ai vu cette chose-là à peu près au moment où je m'attendais à voir quelque chose comme ça, en me disant que j'avais dépassé donc. Sa réunion Québec Alpha, porte 26 pour accomplir. Après vitesse contrôlée. Ok, donc il faut se rendre à l'évidence. J'ai bien une ville dans un creux. Je fais un tour là, je reviens. Et j'ai une forêt qui est juste au nord de la ville. Mais il n'y a pas de terrain. Donc ça veut dire que je suis pas au bon endroit. Donc la question c'est où est-ce que je suis? Tu veux que je vienne te chercher au pire? Bah je vais essayer de me repérer déjà. Mais de toute façon tu sais pas où je suis donc comment tu vas Ouais. faire pour me trouver? Ah, je vais faire le. En fait, tu penses être où là déjà toi? Bah c'est ça la bonne question. Parce que si je savais où j'étais vraiment, je saurais où aller. Et si tu veux te retrouver, t'as qu'à mettre Non, 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 non. la fréquence Vore et puis Bah sur celui-ci, c'est pas sûr que ça marche. J'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. tu mets le Vore de gros Bon. Tonkin. Je vais voir si il marche. Oui, non, mais quand je veux l'activer, moi sur le simu là, ici, enfin dans le DR400, il veut pas. Ah Bon. bon? Bon, bizarre. Ok, donc c'est pas sa réunion, on est d'accord. Ça va bien, qu'il n'y a pas de problème, contrôler, c'est dégagé, je vois, je suis prêt au parking club. Thierry, t'es où? Ok, t'es là. Je suis à ta gauche. Ouais, je te vois. Je me sens pas qu'il y a un nerf là. Ouais. Bon, Oui, il n'y a pas ben. beaucoup de place. Hein. On va faire un truc simple. Alors maintenant, il ne s'agirait pas de reprendre la route, tu sais, puis d'aller dans le sens opposé de là où je veux aller. Parce que du Ouais. coup, ça serait vraiment pas une bonne idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à suivre l'autoroute.
dans l'axe où j'étais là, ouais. À savoir nord-nord-ouest, puisqu'à un moment donné, la route, elle tombe sur une grande rivière. Enfin, il y a une rivière, il y a des... Oui, il y a, oui, oui. Donc, je vais aller chercher ce truc-là. Je vais passer devant la partie ronde, là, ici. Si la route fait un axe vers la droite, c'est que j'étais bien ici. Donc, ça confirmera ma position. Le problème, c'est que j'ai tourné deux fois et je vois rien qui ressemble à un terrain, quoi. Et la ville, par ailleurs, elle est petite. Je trouve qu'elle est petite. T'as des éoliennes qui sont pas très loin. Ouais, c'est ce que j'avais vu à un moment donné et je les ai jamais vues, les éoliennes. Ben, si, moi, je les vois, là. Ah ouais, non, mais voilà. Je me suis mis en drone. Alors voilà, on est sur le rond, elle fait un zigouigoui à droite et puis elle fait un virage à gauche. Donc un zigouigoui à droite puis un virage à gauche. Donc je vais aller sur ce point là pour être certain. Ça s'appelle comment? La Sarre. Je vais aller chercher la Sarre, voilà. Ouais. Parce que tu vois, regarde, je vois la route, elle part à droite, hop, elle vire à gauche et après elle remonte à droite. Ah, par contre, il y a ça, ah ben voilà, ok, il y a ça qui part à gauche. D'accord. Ok, je me suis retrouvé, je pense, parce que là, j'ai une ville de dimension adéquate à sa réunion. Donc en fait, ouais. J'étais pas sur le grand... J'ai mal interprété... Non, non, mais j'arrive. Sa réunion du Fox Mike Bravo. Je me suis un petit peu perdu sur les repérages. Ah, ça y est, je te vois. Je pense que je suis à présent à environ 1 minute 30 au sud, sud-est. Oui. De la exact. Ville, de l'autre côté, côté est de l'autoroute. Je suis 2300 pieds, je rappelle. Terrain en vue, Fox Mike, bravo. Je suis éloigné d'où vous êtes. C'est bon, t'es dans la bonne direction. Ouais. Donc tu vois, ce truc au sol là m'a induit en erreur en fait. Ouais. Je m'attendais t'as à un gros espèce truc. De bois là, et juste après t'as une ville. Ouais. Et après c'est le terrain. Là t'arrives au niveau du bois là. Si tu le dis, là je suis au-dessus à l'est de la ville en gros. Ouais, t'es à ta gauche, tu dois avoir un bois normalement. Ouais, il y a des champs. Boisé. Il y a la ville, il y a des champs, puis il y a des bois. Ah, ça y est, visuel, ok. Sa réunion du Fox Mike, bravo, 2200 pieds, visuel sur la piste. Je me mets en vertical dans l'axe de la 20, quoi, 26 pour reconnaissance intégration. Ouais. Le vent a changé, tu vas prendre la 08. C'est reçu, alors je vais repérer la biroute qui est à l'autre bout là-bas. C'était 1800 pieds. Ok, je vais rester 2000 pieds. Sa réunion Fox Mike Bravo, je suis vertical seuil 26 pour reconnaissance intégration à 1900 pieds. Et j'ai pas de visuel sur la biroute. Ah si, ça Allez, y est, j'ai un vent de travers moi, gauche. Léger de Il est légèrement de travers gauche, mais sans ce 08. D'accord. Enfin, ok, donc pilote au sol me dit sans ce 08. Fox Mike, bravo, je me... Ah, c'est même... Ouais. C'est... Moi, je vois de droite le vent de travers, mais bon. Quand tu vas te poser, il sera de droite. Donc faut que tu fasses Non, moi je le vois sur la... ouais, je le vois sur la 26 moi. Bah moi ça va, pareil. Bah c'est bizarre parce que moi je le vois sur plus orienté 08. Non, il est à gauche de la 26. OK, non, pour moi il est à gauche de la 26, environ 40 degrés gauche de la 26. Ah bah non. Bah vous avez quoi comme vent vous? Ah ben je sais pas, mais c'est celui que m'indique la biroute. Donc sa réunion Fox Mike Bravo, 2100 pieds éloignement pour un complet sur la 26 main droite à sa réunion Fox Mike Bravo. Rappel début de vent arrière. Attends, je regarde. Quelle direction? Donc 1800 pieds droite, ok, la base est sur l'autoroute. Ouais, moi j'ai un vent du 162. Ah bon, bah écoute, non.
La Réunion, Fox Mike Bravo, en traversier pour m'installer. Début de vent arrière, main droite pour un complet sur la 26 à Sa Réunion. Ok, 1800 pieds, on réduit la vitesse. On perd pas le terrain de vue, 1900 pieds, ça me va. Ok, hop, un cran de volée, pompe. Réchauffe, 2000 pieds, je suis remonté, ça va pas du tout. Là, il y a une mouche qui me gêne. Je te vois pas là. Je suis en début, en mieux de vent arrière. Non, début de vent arrière. Sa Réunion, Fox Mike Bravo, demi vent arrière pour un complet sur la 26. Ouh, ce soir, j'ai du mal. Hein. Alors, ah bah dis donc, ouais. Ok, je suis en base éloignée là. Fox, Sa Réunion, Fox Mike Bravo, base éloignée environ, presque un kilomètre, je vire en base main droite pour un complet, 26. Ouais, bah j'étais un petit peu loin déjà, hein. J'étais en vent arrière éloigné. Alors, on va garder un peu d'altitude quand même. Je vois toujours pas ton phare. Ah, pourtant, il y a tout qui est allumé là. Ah ouais, mais tout à l'heure je te voyais bien, mais là... Oui, en fait, non, en si fait, ça va. En fait, t'es en 28, en 26, alors. Hein? Je suis en 26, là, ouais. Oh, ouais, ok, ça marche. Ok, allez, deux crans de volée. Pompe. Réchauffe. Et je suis assez haut. On va tout réduire. Et on laisse tomber la machine. Sa Réunion, ah, Fox Mike Bravo s'établit en finale pour un complet 26 à Sa Réunion. Voilà, comme ça c'est mieux. Et voilà, ça s'est récupéré. Par contre, 150. Ok, je te vois. Ah ben là, je vise le seuil, hein, VD. Hein. Ouais. Alors, on dirait plus. Ok. Ah non, j'ai les. Non, là, je cherche l'aérodynamique, tu sais, là. Je joue avec. Ah là. Là, j'ai le nez en l'air, là. Ah là, j'attends qu'il pose le nez. Voilà. Je suis content, il a posé le nez. Elle a raflé le sol. Et regarde un peu où je m'arrête, t'as vu ça? Heureusement que t'as le petit patin à l'arrière pour dire. Ah bah, et il sert à quelque chose, hein. Alors, on enlevait les volets. J'ai franchi la ligne ou pas là? Non. Non, non, elle est devant là. Ouais. Ouais, il faut que tu ailles sur le parking pour la franchir. D'accord. Là, c'est bon. Alors, il était. Alors, attends, voilà, je fais les choses dans l'ordre. Je stop recording. Je save. Allez, save. Enregistre. Pendant qu'il enregistre, j'ai tout remis à zéro. Il était 22:48. Je me suis posé à 22:54. 22:48, on va dire, voilà. C'est 22:54. Sa Réunion, piste 26 dégagée, Fox Mike Bravo, roule à l'avitaillement pour quitter l'écoute. Ouh, il y a un joli terrain là. Dis donc, si on n'avait pas vu ça, on l'aurait raté, ça aurait été dommage. Hein. Ouais. Et après, tu pourrais voir un mirage, on va dire, si je dis pas de bêtises. Ah bah attends, je vais aller faire une petite visite alors. C'est ça la pompe là? Ah ouais, bah il y a quelqu'un. Il y a un mirage, ouais. Ouais, magnifique mirage. C'est un mirage 3E. Magnifique. Voilà, hop, pied sur les freins. Fox Mike Bravo, parking pompe pour quitter l'écoute. Au revoir. Donc, on coupe. Ceci, on coupe. L'alternateur, on réduit, on fait les essais de magnéto et on coupe la mixture. Et il annonce 1h05 de vol. J'ai l'impression que ça a duré 1h30, tu sais. Continuez.
On note Ah, le petit hangar, il est bien, le là aussi. ramètre et on prend le carburant. Contrôle. Oh, il est où le carburant? Il est là. Voilà. Il est pénible ce truc. Pourquoi il fait ça? 33%. 78 litres. J'ai consommé 30 litres. Bon, c'est logique ça. Ok. Ah ben tiens, si. Ouais, j'ai oublié quelque chose, c'était évidemment. À vouloir faire vite. Et on coupe la batterie. Frein de parc, il y est déjà. Boum. On sort le drone. Et on respire un petit peu. On va pouvoir aller sur la terrasse aussi. Alors attends voir. Je vais enregistrer. Je vais exporter ça, comme ça on pourra le regarder dans une minute aussi. Bon, alors la Ok. scène, voyons voir la scène. Attends, je vais me mettre derrière, comme ça je retrouverai l'horizontale. Ah oui, Allez, top. travail magnifique, hein. Ah, Oui. je vois Delta Oscar. Ah oui, alors là, Allez, top. il faut qu'on dise quelque chose, les gars, c'est pas possible, ça peut pas être parfait, si, c'est possible. Si, c'est Et bien. si. Je vous invite à la terrasse. Ah, ça c'est Allez, gentil. go. Allez, go. Il y a du Bon, je vais monde à la sortir de la terrasse. bière. Je vais Ah ben ça sortir de fait la plaisir de ne pas bière. avoir oublié de. Ah. Ah oui, effectivement. Ça c'est du taf, hein. Grave. Tiens, on a à nouveau Kenmore Air. Ouais. Eh, ils sont partout les gonzes là. Attends, je peux envoyer le drone là. On va passer à travers dans le hangar, passe au-dessus de l'avion. T'as un petit NX Cube. Train classique. Et t'as son propriétaire qui est juste devant. Ah ouais, non, ça c'est du bon boulot. La Oui. station d'avitaillement qui est bien fichue aussi. Ouais. Impressionnant. La biroute, elle est à sa place. Enfin, je l'ai trouvée là où je voulais la trouver. Ah oui, effectivement, je vois le mirage. Mirage 3, ouais. Sa réunion. Alors, j'ai la J'ai quand même verrière rien fait. qui vibre un petit peu. Voilà. On a Ouais, trouvé moi aussi, un c'est normal. semblant d'imperfection. Qui est dû, on sait pas à quoi. Ah oui, bien joli en plus, la belle texture et tout. Oh, il a super bien fait. Ah ouais. Eh ben, je ne me rappelle pas qui l'a fait, mais grosse félicitation de rigueur, comme on dit. Tout petit terrain. Grande. Et t'avais une piste en herbe aussi à côté, la piste en dur. Ah oui. Ça donne envie d'y aller en vrai, tu vois. Gove. Bon, alors, donc, on a fait la visite de la scène. J'ai arrêté tous les bazars. J'ai pris les éléments. Et ben, je propose qu'on regarde le trajet du gars qui s'est perdu. En tout cas, c'est toujours aussi amusant. C'est parce que quand tu te paumes, tu te dis, bon, il va falloir trouver la solution, mec, hein, parce que sinon, tu te poses pas et tu dors Ouais. pas, quoi. Ah non, c'est dans perdu. C'est dans celui-là. Donc j'ai le Filtrec et le KML. Importation. Voilà. Alors, vous êtes avec moi sur le streaming là? Oui. Suspense, hein? Vous avez hâte de voir un peu les conneries que j'ai pu faire. Avouez. Suspense. Allez, avouez les gars, avouez. Faites-vous plaisir. Pas content de moi ce soir. Bon, alors donc décollage. Ah, quand même. Ah, bah, c'était bien comme vent arrière. Alors, ici. Donc, j'ai viré un peu plus tôt. Pourquoi il me fait ça avec la. Donc, j'ai viré un peu plus tôt qu'ici. Là, moi, je m'attendais. Normalement, je voulais du virer là. J'ai viré ici. Mais j'ai pris la route à peu près correcte. Ensuite, là, tu m'as dit que tu me voyais. Donc, j'ai foncé sur toi pour t'intercepter. Ici, après, bah, par là, j'ai vu le terrain. Donc, pour pas gêner Arthur, j'ai fait une petite boucle.
J'ai fait mon patatoïde. Oh, ouais, presque un petit patatoïde. Posé, décollage. Bon, ben jusque-là, ça va plutôt pas mal, là. En termes de trajectoire. Donc là, il y a un moment donné, voilà, je savais que j'avais été bouffé un petit peu sur la frontière. Tac. Ensuite, passé ici, j'avais repéré ce village et celui-ci, il y a quelques lacs. Donc là, j'ai tourné au bon endroit, par déduction. Village-lac, village pas de lac et village pas de lac. Ici, après, je suis parti comme un cabri, là, enfin comme un calu, comme on dit chez moi. Et tout d'un coup, j'ai vu la lumière de. D'ailleurs, c'est toi qui m'as sauvé la mise, peut-être, Arthur, parce que sinon, à la vitesse où j'étais parti, je sais pas si je l'aurais vu. Donc après, Ah j'ai vu ça. Ouais. Je m'attendais pas à y être dessus aussi près, en fait. Je cherchais les repères, en réalité, et donc ça se trouve, j'aurais vu, hein, puisque je cherchais justement un terrain avec le lac à proximité, je me souvenais qu'il y avait ça. Et à ce moment-là, je t'ai intercepté, toi. Donc, hop, virage pour retarder et me mettre en vente arrière et en finale. Une verticale. Bah, enfin, jusque-là, hormis ça, c'est pas si mal que ça, finalement. J'ai C'est l'impression d'être à propre. l'ouest, mais. Ah, putain, oui, d'accord. Donc, ici, voilà. Là, d'accord. Donc, en fait, je pense avoir vu cette ville parce que je pense avoir dérivé un peu au nord à un moment donné. Donc, moi, je me situais plutôt par ici. Je l'avais pas vu, celle-là. Je me situais par là et donc je cherchais cette ville et je la trouvais pas en fait. Et t'as Et été donc parti je suis vers le sud. parti complètement vers le sud. À un moment donné, je me suis dit, bon, on va quand même rester vers l'ouest, hein, c'est un peu ce que je disais. Ici, donc évidemment, T'as quand quand même on. remonté l'autoroute. Voilà, donc j'ai remonté l'autoroute, mais en fait, ce que j'ai vu moi, ici, là, alors là, il faut regarder ce qu'il y a sur la. Ah ben Ah voilà. ouais. Voilà, donc c'est bien ça que j'ai vu, donc c'est bien l'aire de repos. Mais ce que je. Alors moi je m'attendais, comme je m'attendais être plutôt au nord de la trace, quand j'ai vu ça. Voilà. Alors et ça c'est quoi alors? Ah ben c'est une aire de repos. Ouais, c'est bien ça, c'est une aire de repos. Alors il y a un truc qu'on m'explique. Pourquoi celle-ci elle est indiquée comme ça? Et pourquoi celle-là elle n'y est pas? Bref. Donc je Ça. pensais être ici, donc évidemment ça risquait pas de marcher. Donc. Je suis revenu comme ça, j'ai vu qu'il y avait un petit patelin et tout ça, donc j'ai cherché. Hein. J'ai viré une fois, deux fois ici, là, mais je voyais vraiment pas le terrain, donc je savais que j'étais pas au bon endroit. Et après, je me suis dit, pensant que j'étais peut-être ici et que pour une raison ou une autre, je voyais rien, je me suis dit, bah, je vais aller au seul point vraiment favorable qui est la Sarre, ici. Quand je verrai la Sarre, je reviendrai. Bon. Et rapidement, quand je suis revenu comme ça, boum, j'ai détecté, ouais, dans la minute qui a suivi, hein, que j'ai pris cette route-là. J'ai vu ça. Et après, bah évidemment, en voyant ça, c'était facile. Hein. Donc, clac, clac, clac. Donc, hormis ici, le pire, c'est que la ville que je cherchais là, j'ai tourné au bon endroit. Tu vois, je pensais être ici, et donc j'ai viré. Et en fait, c'est cette ville-là que je voyais. C'est pas celle-là, c'était celle-là. Si j'avais repéré le train. Enfin, l'absence de train, mais comme tu m'avais dit que ça se voyait pas bien, bah, je dis Ouais, ok, bah, on le c'est voit vrai pas, que c'était pas c'est évident. un peu normal que je le vois pas si on le voit pas bien, et puis basta quoi. Donc, finalement, la seule grosse bourde, on va dire, en termes de repérage, ça a été là. C'était une mauvaise évaluation de ma route, alors que j'étais pile sur la trajectoire, moi je pensais être au nord, et ben je me suis induit en erreur tout seul ici en fait. Mais bon, Ouais. heureusement que la route menait au terrain, sinon j'aurais pu virer pendant longtemps. Marc, j'avais Sarrebourg aussi. Hein. Ça se trouve, j'aurais pu me poser à Sarrebourg. Mais non, c'est pas possible parce que j'aurais vu la ville et le terrain au sud. J'aurais dit, je peux pas être là. Par contre, en voyant ça, je me serais dit, bah oui, je suis à Sarrebourg. Et ben hop, c'est pas grave, on remonte pile au nord et on va tomber à Sa Réunion. Alors, j'aime bien toujours ce moment où tu te perds, tu sais, parce qu'il faut que tu te retrouves. Mais même si j'aime bien, c'est quand même très désagréable. Le jeu me plaît, mais ça reste désagréable quand même. Vos retours de vol à vous, alors, c'est quoi? C'était très bien. Bien. Bah ouais, c'était pas mal, mis à part mon truc Ouais. à Neuhof, là, qui était pas Ouais. T'as fait. génial. Tu filmais ou tu auras des screens? On voit ça? Ouais, j'ai. Ouais. D'accord. Bon. Là, j'ai fait la trace sur Little Navmap, donc. Ouais. Ah ben vous pouvez m'envoyer votre trace aussi si vous voulez. Hein. Je ferai comme dans le vol de mercredi, je la mettrai en ligne. En disant ça c'est Ça la trace marche. de un tel et la trace de un tel.
Pas de souci. Ben c'était sympa l'Alsace là, mais par contre c'est vrai que j'ai été surpris. Alors je m'y attendais un peu, mais pas forcément autant que ça. De ces grandes plaines là, waouh, c'est vite Ah oui, quoi. bah Tu te dis l'Alsace, là, moi c'est je pas pour pensais rien que qu'on ça serait appelle un. ça la plaine d'Alsace. Hein. Ah ouais, non, mais je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus, enfin qu'il y ait un peu plus de quelque chose quoi. Mais là, Ouais. et Parce puis que t'as alors. l'Alsace de façon générale est plate. Et il y a une partie de l'Alsace qui s'appelle l'Alsace bossue. En fait, c'est une incursion du département de l'Alsace dans la Moselle, quoi. D'accord. Et il y a un peu plus de relief à cet endroit-là. Bah, Saverne, tout ça, là, Oui, c'est plus en j'avais relief. vu Saverne. Oui, c'est ça, la Saverne, c'est là. Oui. Ouais. D'accord. Ok, ouais, non, c'était sympa, mais ouais, ça surprend un peu quand même. Hein, autant là, il y a du relief, machin, et autant là, bah. D'accord. Bon, bah c'était bien sympa. Donc, prochain vol, alors en ce qui me concerne, va consister à ramener le DR400 à Logne. À la Vatry. Donc tu vas partir de Sa Réunion pour aller à Sa Logne. Réunion à Logne. Avec une nave un peu longue, je vais faire en sorte d'écourter le trajet pour pas avoir 1 heure et demie de vol sur trop de plaines. Ça me paraît pas forcément intéressant. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais surtout que c'est un peu long, donc. J'ai une astuce qui va me permettre de gagner du temps et de voler dans des conditions pas habituelles pour moi. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Si vous avez rien à rajouter. On peut l'extraire la trace là du cas dans le Tanaba? Non, tu peux pas. Non, on C'est peut pour pas. ça que j'utilise Flight Recorder. Bon, histoire de pouvoir refaire le vol, de revoir la trajectoire par exemple que j'ai eue sur certains terrains ou Ouais. certaines choses. C'est vraiment sympa parce que tu vois tous les détails. Hein. Et là, par exemple, si je remettais la. Tiens, tu veux que je te montre? T'as 2 minutes? Oui. Alors regarde. Je vais faire un. Alors, avant de faire le replay. Alors, ce qu'il y a de ballot, c'est que là, il n'a pas montré le trajet. Tu sais, normalement, il t'affiche Ah la ouais. trajectoire. Attends, si je fais ça. Non, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça fait la deuxième fois que je l'observe. Bon. Donc là, je vais me mettre ici. Je fais donc. Alors, attends, voilà. J'ai arrêté le truc. J'ai tout arrêté. J'ai timing. Ok. Je fais le replay. S'il veut bien. Alors, il doit faire quelque chose parce que là, j'ai des. Voilà. Voilà. Alors là, je me mets derrière l'appareil. Où est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais de beau? Non, là, je suis en train de tourner, donc c'est un peu plus loin. Donc à ce moment-là, ce que tu fais, c'est pause. Et t'avances, tu vois. Ouais, pour trouver le bon endroit Voilà. de la Voilà. Et séquence. là, voilà, je suis en finale. Donc je fais D'accord. résume. Et ça reprend le truc. Alors tu peux observer tous tes paramètres de vol grâce à ça. Ouais. Altitude, vitesse. Ah! Tant pis, regarde. Et regarde ce que j'ai fait. Donc là, on voit, je touche, il est bah, 60. Voilà. Et regarde, j'ai dit, je cabrais l'appareil. Tu vois que je cabre Ouais. l'appareil? T'as vu, je le maintiens. Ouais, la roue avant, elle touche pas. Voilà, et effectivement, c'est ce que disait Arthur. J'ai utilisé vraiment le. Voilà. Et à un moment donné, poum, on voit le nez qui touche. Ouais. C'est impressionnant quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il enregistre. Et après, j'ai freiné comme ça et je me suis retrouvé bien arrêté là. Donc en fait, il enregistre vraiment tout un tas de choses de l'attitude de l'avion. C'est Ouais. vraiment impressionnant. C'est pas simplement paramètres, vitesse. Donc il y a l'assiette et tout quoi. Après, ce qu'il faut faire, c'est pause replay et éviter le stop replay parce que je crois que sinon il va compter ces 2-3 minutes de vol en plus. Tu vois. Ah ouais, ok. Donc à la rigueur, après, c'est revenir en arrière, etc. Et à chaque fois, bah, tu verras qu'il y a un petit temps de latence parce que bah, il recharge les Oui, selles en bah fait, oui. les dalles et tout ça. Voilà. Et là, le truc ballot, tu vois, c'est qu'en fait, il me met ici moteur allumé. Ouais. Très bien. Bon, bah écoute, on va se quitter là-dessus alors et on se dit à une prochaine fois. Oui.
Ciao, ciao à Pas de souci. tous. En Allez, espérant que ça vous a ciao, plu toujours. Et bonne nuit, bon ciao. week-end. Bonne nuit. Bonne Bye. nuit.